mon Dieu, on est presque arrivés! Gouverneur de la Martinique. Les hommages, monsieur l'intendant. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous remettre nos lettres de créance, signées de notre bon roi Louis XVI. Je suis navré pour ce retard, mais un bateau de négriers vient d'arriver. Je vais défaillir. Vous ne seriez resté plus longtemps au soleil, cher madame. Monsieur Bonaventure avait le projet d'accueillir sa fiancée, mais je ne le vois nulle part. Où est-il? Assibitation Borivinti et dio bateau l'arrivée. Vous faire porter à ma résidence et l'attendrons là-bas. C'est plus simple. Merci. Et venez avec moi. Allez. Amédée ! Amédée ! Ça y est, il est là ! Faites vite, maître ! Vous allez être en retard pour le bateau ! Essaye de me voir avec une autre femme, toi. Hein? Ça va, je suis propre, là, non? Jésus-Marie-Joseph, et puis encore le vieux cabri. Mais dis-lui, toi, Amédée. Mais c'est ça qui est bon, c'est les odeurs fortes de femmes et de foutre, et de sexe et de bête. Ah. Bon, dépêchons. Ma perruque, Amédée, je vais essayer ma perruque. Qui t'a prévu pour le service de ma femme? Moi-même, maître. Et si j'ai besoin de toi, hein? Manon est là pour l'aider. Non, pas ta femme, elle est trop noire. Elle va faire peur à ma fiancée avec toutes ces marques. Et pourquoi pas ta fille Adèle? Elle est très jeune, maître. Elle ne connaît pas le métier. Comment tu le trouves? Beau comme un attrapeur de crabes. Garça. Amédée, je devrais m'habiller tous les jours comme ça. Tu trouves pas, non? Je suis pas noble. Autant paraître riche. Hein. Bon, toi, je veux plus te voir avec ça. Tu pues la cocotte à planer. Amédée, je veux ta fille pour le service de ma femme. Ta guenon, on le dégage.
Bien, maître. Chapeau. Je m'habituerai jamais. Je peux vous dire que demain, vous ne les remarquerez même plus. Vous verrez, on s'habitue très bien à ne rien faire soi-même. Messieurs Bonaventure. Monsieur le gouverneur, toutes mes excuses pour ce retard. Ah, quand même. Mon cher Bonaventure, ce n'est pas à moi de vous excuser. Où étiez-vous passé ? J'étais dans mes champs de canne quand on m'a prévenu que le bateau était au bord. Je voudrais vous présenter votre futur beau-père. L'intendant du roi, monsieur de Rochamps. Mes hommages, monsieur Bonaventure. Permettez-moi de vous présenter ma femme, madame de Rochamps. Olympe, ma fille. Mademoiselle de Rochamps, j'espère que vous n'auriez pas de votre fiancé une impression trop désastreuse. Monsieur mon fiancé, je rends grâce au ciel de me procurer la joie de vous rencontrer. Mademoiselle, votre beauté fait de moi le plus heureux des hommes. Vous êtes le grand frère, je suppose. Pour vous servir, monsieur. J'ai donné des ordres pour qu'on porte vos malles à l'habitation. Nous pouvons partir tout de suite, si vous voulez. Il y a une vente de nègres au port, je vais y passer avant d'entrer chez moi. Vous autres planteurs, vous consommez trop de ce bois d'ébène. Et vous ne prenez pas soin de vos cargaisons et vous vous plaignez que cela coûte cher. Nous nous disputerons un autre jour, si vous voulez bien. Bien. Maintenant, si ces dames acceptent de me suivre... Pas mal du tout, ce petit colon. Quel homme étrange. Qui est-ce ? Monsieur Jacquet, mon commandeur. C'est lui qui supervise toute la plantation. Jacquet, je te présente mademoiselle Olympe de Rochamps. Tu me fais bien l'honneur de vouloir m'épouser. T'as eu quelque chose ? Là-bas. Approchez mes beaux colons, approchez, venez voir ça, venez voir cette belle marchandise. Regardez. Venez voir, bonjour mesdames. Regardez ça. Aucune tache sur la peau. Des pieds ronds, de la jambe fournie et des bras robustes. Eh oui messieurs, quelle belle pièce. Que du muscle sain et des esprits dociles, très dociles. Lève les bras, lève les bras. Lève les bras. Voilà. J'en ai encore deux bateaux qui m'attendent. Quelle belle pièce, non ? Très belle pièce. Regardez ça. Monsieur le beau-frère du maître se trouve mal ? C'est horrible. Ils ne se sauvent pas. Peut-être parce qu'ils sont à moitié nus, qu'ils ne parlent pas français. Qu'ils ne savent pas où ils sont. Sans parler des chiens, des fouets. Et de la peur qu'ils ont d'être mangés. Mangés ? Par nous ? Ils n'ont jamais vu de blanc, monsieur. C'était un premier contact, en quelque sorte. On vous a vendu aussi. Je suis né en Jamaïque, monsieur. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans avec mes parents et mes frères et sœurs. Une vie heureuse, je ne crains pas de l'affirmer. Puis un jour, Lord William, pour qui mon père avait une grande admiration, a décidé de me vendre. C'était un beau dimanche de mai, et je n'ai jamais revu les miens. Pour être tout à fait honnête, monsieur, je savais que je ne serais pas mangé. Mais je savais aussi que si je m'enfuyais, je serais brûlé vif.
Ai-je bien fait de préférer vivre ? Monsieur, vaste question. Allez, change-moi ça ! Allez, allez, mes petits ballons ! Vous allez me remercier, monsieur Bonaventure. Ni plus ni moins. Allez, cette force, c'est un arada. Directement du golfe de Guinée, d'excellents travailleurs. Regardez ses dents. Blanches, hein. Vous voyez, je vous vole pas. D'ailleurs, si vous me payez comptant, je vous fais une remise sous tout l'eau de bossal. Monsieur mon fiancé, que veut dire ce mot bossal ? Un bossal, c'est un sauvage né en Afrique. Ceux qu'on appelle les créoles sont nés ici, aux Antilles. Ce qui veut dire que les bossals ont connu la liberté, mais pas les créoles ? Absolument. D'ailleurs, les bossals gardent toujours la nostalgie de l'Afrique. Ils croient que l'Afrique est sous la mer. Ils peuvent même se tuer pour y retourner. Pour nous, ça fait de la perte sèche. Quel affreux péché ! Nous avons le devoir de les sortir de ce genre d'idolâtrie, n'est-ce pas, mon gendre ? Les créoles sont baptisés, au moins ? Ça ne changera pas grand-chose, hein, je vous assure. Les nègres sont les nègres, hein. On ne les change pas. Allez, c'est bon, je prends. Allons enregistrer la vente, je vais partir tout de suite. Très bien. Allez, debout. Debout. Plus vite. Allez. Et toi, debout. Allons, messieurs, un peu de bon sens. Regardez celui-ci comme il est beau et fort. Regardez, s'il vous plaît. Je vous le fais à moitié prix. 400 livres. C'est donné, monsieur. Allez-y, dites-le, n'hésitez pas. Il y a 400 livres, monsieur. Où allez ? Oui. Approchez, mes beaux colons, approchez. Venez voir ça. Venez voir cette belle marchandise. Quel homme superbe. Je m'étonne que personne n'en veuille. Moi, ça m'étonne pas, c'est un mandingue. Sans doute un roi ou un personnage important trahi par un rival. Je lui trouve une grande noblesse de trait. Oh, bien lui fasse. Quand il s'agit de couper la canne, la noblesse de trait, ça sert pas à grand-chose. Hein. Ah, des chaises. Votre habitation se trouve donc en ville ? Pas exactement. Il y a au moins une bonne heure de marche si on avance bien. Vous n'avez pas d'attelage ? Non, les routes sont trop mauvaises et les chevaux trop précieux. Et croyez-moi, les nègres sont très pratiques. Qu'est-ce qu'il fait là ? Celui-là, il est pas à moi. Pourtant, j'ai un acte de vente en bonne et due forme, monsieur Bonaventure. Je veux mon argent. Et tu me prends pour qui, espèce de fumier ? Monsieur mon fiancé, c'est moi. C'est moi qui ai acheté cet homme. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai dit que mon père paierait. Oh ! Non. Pardon, monsieur Bonaventure. Vous me devez la somme de 400 livres, monsieur. Comment ? Mais c'est exorbitant. Je ne peux pas. Je peux pas. Allez, tiens, prends ça 200. J'estime que tu es heureux. Votre acte. Mademoiselle, veuillez accepter ce modeste cadeau. Monsieur mon fiancé, je vous serai éternellement reconnaissante du plaisir que vous me faites. Ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Théophile. Et moi, je serai votre Olympe. Bon, alors, on y va ou non ? On cuit ici. Allez ! Oui.
Oui, oui. Oh, je suis moulé, mon ami. Oh oui. Qu'est-ce que c'est que ça? La prochaine fois, j'irai à pied. Mademoiselle? Petite, fais-moi passer l'huile parfumée sur la commode. C'est une boîte à musique. Tu n'en as jamais vu, je suppose. Comment tu t'appelles? Adèle, maîtresse. Passe-moi fou et nous dans un festibulaire. Outan. Adèle, sors ma belle robe de la malle. Je ne veux pas qu'elle soit défléchie pour le mariage. Madame, le soleil est cousu sur la robe. À la cour du roi, les robes sont encore plus belles. Une fois être tellement riche. On s'est bien moqué de mon mariage aux colonies, mais maintenant je pourrais en surpasser certaines. Quand je rentrerai à Versailles avec mon mari et mes bijoux, certaines dames en crèveront de jalousie. Comment se fait-il que tu portes des bijoux? Je croyais que c'était interdit par le code noir. Le maître le permet, madame. Eh bien, pas moi. Je n'aime pas que mes bonnes soient parées. Mais qu'est-ce que tu fais? Plus fort, je suis pas en sucre tout de même. C'est quoi ce patois? C'est la langue de chez nous, maîtresse. Mais bonne, je veux que vous parliez le français. Uniquement le français, pas de charabia. Je veux que mes esclaves soient éclairés. J'ai l'acte de vente. On commence. Alors, je lis la description du bonhomme et on se débrouille pour trouver celui qui correspond le mieux. Jupiter, Congo, mâle. Celui-là, c'est le sol du Congo. Rabelais, le front bas, musculature parfaite. Ouais, c'est lui. Télémaque. Qui est-ce qui Télémaque? Lui. Télémaque. Ouais, il a une tête à s'appeler Télémaque. Arada, grand. Musculature sèche. Grand mandingue. Alors là, il n'y en a qu'un, c'est le major. Ouais, pas de nom. Comment on va t'appeler, toi? Louis. Comme le roi. Toi, Louis. Kouyaba. Louis. Kouyaba. Louis! Kouyaba! 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 Jacquier! Jacquier! On va l'appeler Louis Kouyaba. Maman, ouais. Je veux des choses belles, belles, belles. Une boîte qui chante, du linge qui brille, et la tibéquée a les cheveux qui coulent comme de l'eau. Bon, Joseph t'attend pour la vaisselle. Reste là, maman, moi. J'y vais. Moi, palace. J'ai essayé de te changer de place, mais... c'est difficile. Oui, ça va. Je fais peur aux blancs. Tu es très belle, maman. Le maître est méchant, c'est tout.
Et là, au cap à l'écran, on aura la semaine sainte. Tu es bien? Mon gars, allez. Faut pas qu'on dise que je fais pas mon travail. Papa, laisse-moi te dire quelque chose. Rosalie a coupé une mèche de cheveux de la Tibéquea. Elle va la camboiser. Rosalie est très jalouse. Elle veut rester la cocotte du maître, mais... le maître veut des enfants blancs, ce n'est pas elle qui pourra les faire. Et pourquoi le maître n'a jamais fait d'enfant avec Rosalie? Peut-être parce que son sang ne se marie pas avec son sang noir à elle. En tout cas, tiens-toi loin du maître. Reste avec la Tibéquea. J'y vais, papa, moi. Je vais voir si maman veut de l'aide. Vas-y, et ramène-la vite. Mes vœux de bonheur, Théophile, et vous aussi, Olympe. Je vous souhaite de beaux et de nombreux enfants qui sont de bons chrétiens. Merci, mon père. Mon enfant, je veux que vous usiez de votre influence sur votre mari pour vous occuper du salut de vos esclaves. Ils n'entendent jamais la messe, ils ne disent pas les prières du jour. C'est vraiment très grave. Je ne savais pas. C'est bon, j'ai entendu, mon père. Ce sont des créatures de Dieu. Vous devez veiller à ce qu'on leur enseigne la morale chrétienne. Mon père, nous ferons dire la messe pour nos esclaves tous les dimanches. Je vous en fais le serment. Vous avez vu le nouvel intendant du roi? Il est bien suffisant pour un homme qui marie sa fille sans dot à un ancien engagé. Mon beau-frère était soldat. Personne ne connaît vraiment l'histoire de Théophile, mon cher. On dit que c'est un orphelin de l'hôpital général de Brest à qui l'on a fait signer un contrat d'engagé. Les engagés étaient des esclaves blancs. Ils s'engageaient à travailler 3 ans gratuitement aux colonies. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient jamais au bout des 3 ans. Ils étaient morts avant. Théophile est parti à la Guadeloupe sans même savoir ce qu'il avait signé. Quand il s'en est rendu compte, il s'est enfui de Guadeloupe et il a débarqué clandestinement en Martinique. Et là, il a bâti la fortune que nous lui connaissons. C'est donc un homme extraordinaire que ma sœur épouse. Merci de m'apprendre ces choses, monsieur. Nicolas de la Rivière, planteur de père en fils depuis 5 générations. Et voici mon ami Hubert de Sainte-Colombe. Nos familles sont parmi les plus anciennes de Martinique. Je crois qu'on passe à table. Chers amis, chers colons, je voudrais commencer ce repas en saluant un nouveau venu sur notre île. Un homme d'honneur. En qui nous, planteurs de Martinique, mettons toute notre confiance. Mon beau-père et intendant du roi, Monsieur de Rochamp. Monseigneur, puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, me permettez-vous de vous poser une question qui préoccupe beaucoup les colons.
Je vous en prie, cher monsieur. Nous venons recevoir un nouveau règlement de police interdisant les châtiments d'esclaves jugés excessifs. Mais nous sommes perplexes. Si l'un de nous décide de faire fouetter un noir, devra-t-il demander la permission au gouverneur ou à l'esclave lui-même? Oui, oui. Je reconnais bien là l'esprit taquin des colons français. Mais rassurez-vous, cher monsieur, concernant les châtiments d'esclaves, il est bien entendu que l'administration royale s'en remet à votre jugement. Ne vous faites pas trop d'illusions, monsieur l'intendant. Ils ne sont pas taquins. Bonsoir, ma chère, c'est pas votre place. Et pourquoi non? Les esclaves doivent connaître leur nouvelle maîtresse. Venez, mettons-nous là qu'on nous voit bien. Je savais pas que vous en aviez autant. Allez-y, faites donc et traînons pas. Amédée. Tenez, mon brave, tenez. Ils ne toucheront pas à vos dragées. Ils ont peur d'être empoisonnés. Ils sont trop bêtes, c'est désespérant. Venez, allons voir mon chef africain. Est-il remis de son voyage, Jacquet? Comment se porte-t-il? Bien, je crois. On leur laisse toujours 2 semaines pour s'acclimater. Que vous êtes bon, Théophile. Vous verrez. Celui-ci deviendra doux comme un agneau. Je vais l'apprivoiser en un rien de temps. Comment vous appelez-vous, mon brave? Il s'appelle Louis. Koyaba. Vous voyez qu'il comprend. Et pourquoi pas Koyaba? C'est joli, Koyaba. Tenez, mon brave, c'est pour vous. Comme il a la peau claire à l'intérieur... Hey, oh! Toi, la prochaine fois, je te crève. Ne t'inquiète pas. Je sens que je vais être très heureuse ici. Je vais transformer cette case en un véritable palais. Cette fille est d'une lascivité à faire frémir. Je lui ai déjà dit d'ôter ses bijoux. C'est agaçant à la fin. On dirait qu'ils ne comprennent vraiment rien. Méfie-toi. Je n'entends que des histoires scandaleuses sur les colons et leurs bâtards. Théophile est assez beau pour avoir toutes les blanches de l'île. Pourquoi choisirait-il une négresse? La bouche. La bouche. Nda. Nda. Concola. 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 Le front. Le front.
Adèle, rentre à case. Maman, moi, on fait rien de mal. Il est africain comme toi. C'est un major, c'est un chef dans son pays. Mouk, les vrais hommes sont restés là-bas. Les vrais hommes ont sauvé leurs femmes et leurs filles. Ici, tu n'as que des corps cadavres. Ouli, tes mains. Je ne suis pas enceinte. J'avais fait le serment de faire donner la messe pour les esclaves et je n'ai rien fait du tout. J'ai trahi ma promesse et Dieu nous le fait savoir. Les esclaves ont besoin du dimanche pour cultiver leur potager. Si tu leur enlèves ce jour-là, il faudra que je leur donne à manger, sinon ils vont mourir de faim. J'ai fait ce serment, Théophile. Je suis coupable et nous sommes punis tous les deux. Dis-donc, Amédée, ta femme est malade. Je sais pas ce qu'elle a, mais je veux plus la voir. Hein. Jacquet va la faire travailler au champ de canne. T'as entendu, Jacquet? Sinon, il faudra la vendre, pendant qu'on peut en tirer quelque chose. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu dois m'aider. Ma femme n'a pas la force de travailler à la canne. Le maître ne veut plus d'elle, t'as entendu? Mieux vaut travailler à la canne qu'être vendu. Mourir dans ce serré. Je me débrouillerai sans toi! T'inquiète pas, Doudou. Je vais te trouver une autre place. Une bonne place. Je suis inquiète, François. Théophile se détache de moi. Je l'agace, il m'écoute même plus. Mais aussi, tu le critiques en permanence. Un homme comme lui, on n'essaye pas de le changer. Regarde comme il est fort, comme il est adapté à ce pays. Pense à ce qu'il a traversé pour en arriver là où il est. Si j'avais un enfant, je pourrais convaincre Théophile de rentrer en France pour un an ou deux. Amédée et Jacquet sont parfaitement capables de s'occuper de la plantation. C'est un nouveau monde. Tu trouves pas qu'on a de la chance? Il y a tout à faire ici. Mais moi, je veux m'amuser et profiter de ma fortune. Je me moque des nègres, du sucre, de tout. Maintenant, je vais faire la sieste et rêver de Versailles. Ah, wesh. Ah, ouais. Je ne peux pas la garder à la cuisine, elle va nous rendre tous malades. Trouve-lui une place ailleurs. Oh, Joseph, l'amour de Dieu, s'il te plaît, elle n'est pas malade, sa maladie, c'est l'Afrique. Amédée, elle ne veut pas guérir. La misère est raide pour tout le monde ici. Tout le monde souffre. Manon, elle ne fait rien pour se battre. Si elle veut couler, c'est toute seule. C'est de la mauvaise race. Laisse-moi te dire, quand la lune va mourir, les Negma ont vont descendre des monts. Les bouches. Je
Vous deux. Qu'a dormi, vous deux? Comment ça donne la fièvre? Ça brûle un peu, mais ça retire le mal. Parle à ta fille de l'Afrique, ça t'empêchera de penser. Allez, maman, moi. Parle-moi de ta vie de l'autre bord. Je m'appelle Kaliel. Je suis Ibo. Je viens de la Côte de l'Or. Mon père était chasseur. Il avait 3 femmes et ma mère était la plus jeune. Il portait des tresses, il avait des marques sur le visage, comme les miennes. Continue de tout. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Il vient d'arriver. Vous avez tort de pardonner, ma fille. Bon, Jacquet, tu l'emmènes, tu lui mets les fers. On va s'occuper de le dresser. Débarrassez-vous de ce nègre, mon fils. Sa résistance pourrait servir d'exemple. Ils sont tous comme lui, mon père. Ils se fichent pas mal de vos prières. Et vu le peu que Dieu fait pour eux, je le comprends. Théophile, vous parlez à un prêtre. Et alors? Je suis chez moi, je dis ce que je veux. Ah non, ça, monsieur, c'est trop d'affront, je le supporte pas. Il a raison, qui écouterait la parole de Dieu dans ces conditions? Oh, toi, tu excuses toujours tout le monde, hein. À la bonne heure. Il y en a au moins un qui a du bon sens dans cette famille. Désolée, je lui pardonnerai jamais. Pas pour vous, chérie. Mais bon, l'essentiel, c'est que nous ayons pu prier tous ensemble pour que tu aies un enfant. Hein? Je t'en supplie, ne pars pas. Je ne peux pas me retrouver seule avec lui. François, viens avec nous. Tu perds ton temps ici. Si tu veux te faire une position à Saint-Pierre, il faut au moins que tu t'y montres. Ma position attendra quelques jours de plus. Je sens qu'on a encore besoin de mes talents de diplomate. Allez voir mon fils. Veillez sur votre sœur. Dieu te protège. Allez. Je dormirai seule cette nuit, Théophile. J'ai la migraine. Mon débarras. Ma femme est très belle, mais elle fait l'amour comme une couleuvre, mon vieux. C'est fade, une blanche. Viens, Rosalie, de venir, s'il te plaît. Ah, et puis, non, fais venir la petite Adèle, ça va me changer. Quoi? Viens m'aider? Ah, et puis, merde, j'en ai rien à foutre. Sois discret. Regarde celle-là, maman, ouais. J'aurais le nez du père Louis. Oh. Ça y est, qui est venu chercher là.
viens jamais ici. Le maître veut te voir. Non, pas ich moins. Aïe chercher Rosalie. Allez en route, ou ta mère sera vendue demain matin. Le soleil est couché. Regarde, les marrons se donnent rendez-vous ici. Il manque une tenaille. Si on laisse ça comme ça, ils nous voleront même les fers. Tu as raison, faut déplacer cette case. La mettre à côté de la tienne. Enlève ta jupe. Enlève. C'est bien. Maintenant l'autre. L'autre ! Doucement, doucement, doucement. Voilà. C'est bien. Maintenant le gros. Allez ! Là.
pourquoi Danseret m'a enfermé. Les Andolicas dansaient, faut pas emmerder. Arrête avec tes devinettes. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Le maître? J'ai marché sur la queue du chien pendant qu'il baisait ta fille. C'est trop tard, mon cher. Elle est déjà rentrée. Pardon, papa. C'est moi qui te demande pardon. Je voulais tellement te protéger. Doudou, moi. Si je venais pas, il voulait vendre maman. J'ai peur, papa. Je suis trop peur qu'elle parte pour toujours. Ta mère. Où est ta mère? Mon papa savent. Où est ta mère? Tu es maudit. C'est pas moi. Tu le sais. Lâche-la. Jésus-Christ, Seigneur, nous, pas lever fâché, non, pour prendre ses souffrances, nous. Manon voulait rejoindre l'Afrique. Pas lever fâché, non, pas lever fâché, Seigneur, nous. Manon voulait rejoindre son père, sa mère et toutes ses mondes. Jésus-Christ, Seigneur, nous, pas lever fâché. Et merde, il manquait plus que ça. Fâché. Elle était fâchée, non. Hé, hey, toi, connard, tu pouvais pas t'occuper de ta femme? Quoi? Qu'est-ce que ça suffit, hein? T'arrêtes, là! Devant Dieu, devant les hommes, c'est vous qui l'avez tué, c'est vous seul! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bande de crétins! Elle est pas partie en Afrique, elle est morte! On n'a pas besoin d'une vague de suicides en ce moment, alors tu m'enterres ça tout de suite avant que ça leur donne des idées. Maître... Respectez le mot. C'est ne pas fait veiller. N'homme lit pas qu'elle fine tourmentée nous. Elle est morte comme une chienne, on l'enterre comme une chienne. Ça fait quoi? Quand même. Tout le monde a disparu ce matin. Où étais-tu? Dans la savane, ma chère sœur. Les plantes de ce pays sont des trésors. Quant à tes esclaves, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un suicide.
Ah bon? C'est agaçant à la fin, je suis jamais au courant de rien. Regarde, c'est comme celle-là. Je lui demande ce qui lui est arrivé, elle me répond que c'est arrivé pendant son sommeil. Théophile, tu pourras au moins nous dire bonjour. Quel mal au truc tu fais. Et puis tu pourras attendre qu'on soit assis. Eh bien, assis-toi, qui t'en empêche. C'est quoi cette tête de Maccabée? C'est un signe de deuil, je crois. Je sais bien que c'est un signe de deuil. Quel genre à foutre, moi? Le résultat, c'est qu'elle est moche. Et alors? Quelle importance qu'elle soit laide. Elle n'a pas besoin d'être belle pour passer la serpillière. Fous le camp! Je veux plus te voir! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle? Mon Joseph a préparé un calalou au crabe pour vous, maître. Ces coutumes m'intéressent beaucoup. Pensez-vous que je puisse assister à la veillée ce soir? Il manquerait plus que ça que cette emmerdeuse est une veillée. J'aurais mieux fait de la vendre avant qu'elle se tue. Au moins, j'en aurais tiré quelque chose. Un coup de tambour, baman, on aigle. Un coup de tambour, baman, on aigle. Aujourd'hui, tu remets ton esprit à la terre. Et ton esprit s'en va libre vers la terre de tes ancêtres. Un coup de tambour, baman, on aigle. Un coup de tambour, baman, on aigle. Manon, femme Djok, femme lumière, femme potomitan. Un coup de tambour, baman, on aigle. Un coup de tambour, baman, on aigle. Comme une mule, tu as travaillé du soleil levant, soleil couchant, au rythme du fouet. Mais tu as su rester digne et fière. Un coup de tambour, baman, on aigle. Un coup de tambour, baman, on aigle. Les yeux bleus t'ont pris en Afrique pour t'emmener en esclavage aux Antilles. Mais ils n'ont pas réussi à sortir l'Afrique de ton cœur. Un coup de tambour, baman, on aigle. Un coup de tambour, baman, on aigle. Manon, reine aux pieds nus, ils t'ont imposé leur religion. Mais jamais tu n'as oublié au Batala, Shango, Yemanja. Un coup de tambour, baman, on aigle. Bois mandingue, bois mandingue. Ouvert chimène l'Afrique, Manon. Manuel, va l'aider. Vas-y, vite. M'aider. T'as raison, ton système de lavage est vraiment épatant. Hein. Le sucre sera quasiment aussi blanc que si on l'avait raffiné. Qu'est-ce qu'il y a? La gueule? Quoi? C'est à cause de ta fille? Allez, t'inquiète pas, tu y trouveras ton compte, toi aussi. Je pourrais bien t'affranchir un de ces jours. Ouais. Un sucre pareil, une fille pareille, ça mérite bien la liberté. Oh! Attends, viens là! Vraiment pour un couillon. Il parle de me libérer. Il veut se faire pardonner. Mais non, il sait très bien que c'est moi qui lui fais gagner de l'argent. De toute façon, à partir de maintenant, je fais comme les autres, là. Oui, mais pas ni problème, mais... Je me fous de son habitation et de son sucre. Il peut crever, tu... Tu fais l'enrager, mais si le maître crevait pour de bon, tu serais vendu. Il vaut encore mieux être ici.
Ça, c'est vrai. Chez Goldfarder, les esclaves, on les traite bien pire qu'ici. La vie est douce, hein, dans la cuisine du maître. Vous mangez bien, vous êtes content, tout va bien. Vous n'avez pas honte? Moi, ma mère s'est tuée pour quitter ici. Tu devrais lui interdire d'aller voir ce beau sale. Beau Koyama. Elle voit Koyama. Mon compère, tu es comme les cocus. Le dernier au courant. Moi, je la vois tous les soirs de ma case qui va lui porter à manger. Vous allez, fais bouche au trou. Hein. Adèle voit trop l'Africain, mais elle sait se tenir. On ne capte mal pas les mondes comme ça. Solo. Le solo. Toi. Pour moi. Toi, le solo. Adèle? C'est pas moi qui t'ai noyé. Ton jeune. Rosalie? Rosalie? Je suis la maîtresse. Ah, ma tête. C'est ton thé, hein. Tu me le fais beaucoup trop fort. J'arrive plus à me lever. Toi pressée, pas qu'à faire, je vous vais. Oh, je comprends rien à ce que tu racontes. Je dis que le soleil ne brillera pas mieux si vous vous levez plus tôt. Quel besoin avez-vous de sortir de votre lit? François a raison. Je deviens paresseuse. Tu sais que je ne vais même plus jusqu'au bout du jardin. Le quartier? Comme si c'était un endroit pour vous, ça. Il n'y a que des gens sales là-bas. Les dames béquées restent dans leur salon. Et leur mari couche à droite et à gauche. Je sais ce qui se passe dans les autres habitations. Je ne suis pas idiote. Oui, Adèle, je veux qu'elle repasse ma chemise. Mademoiselle Adèle est occupée ailleurs, maîtresse. Comment ça? Elle est où? Venez, je vais vous montrer l'habitation. Saleté. Faut dire que vous, les nègres, vous ne comprenez rien au confort. Faut-il que j'aille maintenant? Il reste des choses intéressantes? Il reste plein de choses intéressantes, maîtresse. Venez. Comment osez-vous? Kate, c'est comme ça que tu travailles? En faisant des cochonneries? Kate, tu vas nous faire brûler vite!
Lâche-moi. Je veux plus te voir chez moi. Je vais dire à mon mari de vous voir entre tous les deux. Venez, maîtresse. Il a perdu la tête. Venez, venez. Nègre, écoutez-moi. Cet homme va être puni par le fouet. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Attendez. Je sais qu'il n'aurait pas dû toucher ma sœur. Mais il ne lui a pas fait de mal, il s'est montré sensible à la raison. Tiens-moi la paix, vous. À cause de qui cet homme va-t-il recevoir son coup de fouet? À cause de qui va-t-il mourir? À cause de cette femme-là? Pas fouetté, elle aussi? Certainement pas. Je veux pas qu'on l'abîme. Dis au moins que tu vas la vendre. Cette femme est à moi. Et à moi seul. Je refuse d'assister à cette comédie. La mort d'un homme, c'est pas une comédie. C'est toi qui as voulu tout ça, alors maintenant tu viens y assister jusqu'au bout. Tu couches avec cette négresse, tu me dégoûtes. Vu le prix que j'ai payé pour avoir le droit de te baiser, tu vaux pas mieux qu'elle. Monsieur, je vous demande raison de l'affront que vous venez de faire à ma sœur. Épée au pistolet, choisissez. Faut que vous compreniez comment ça marche, vous deux. Ici, c'est le droit du plus fort, et le plus fort, c'est moi. Alors maintenant, vous allez assister au châtiment, et vous arrêtez de me briser les couilles. Allez, c'est échappé. Tibékian ne veut pas manger. Honte sur toi, Rosalie. Honte sur toi. Tu as voulu te venger et tu as fait beaucoup de mal. C'est Adèle qui t'a parlé? Adèle ne te connaît pas comme moi. Écoute-moi bien, mauvaise race. Adèle est plus belle et plus jeune que toi, il faut que tu l'acceptes. Après elle, il y aura d'autres filles, plus jeunes et plus belles. Le maître fera la même chose. Nous, les négresses, nous devons nous soutenir les unes les autres. Non pas nous quereller comme des bousins dans un bordel. Il faut garder le respect, tu m'entends? Ah,
assassinera. Oh. C'est Nègre Marron. Viens avec nous. C'est pas qui on est. On est comme toi. On s'est sauvés, nous aussi. On vit dans la forêt, 100 mètres, nous pas ni mètres. Les Blancs nous chassent comme des bêtes. Allez, viens frère. La nuit va tomber, il faut qu'on rentre au camp. Allons aller. Ici, hein? Non, on bouge. On change souvent de camp. Pour manger, on va voler dans les plantations. Mmh. Les esclaves nous laissent la nourriture. Mmh. Quand on se fait attraper, on nous torture. Mmh. On nous pend. Mmh. Tant pis. On préfère vivre comme ça. Mmh. Mmh. Et être libre. Mmh. Mmh. Bienvenue, mon ami. Tiens. Tu donneras ça à ta fille. Allez, prends ça. C'est pas pour toi, c'est pour elle. Alors ? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai aidé de pas revenir sans lui. Les chiens ont perdu sa trace. Il a dû tomber sur les marrons. Commence à me faire chier, ceux-là, hein? Un de ces quatre, on va foutre le feu à la forêt. On va les enfumer, ils seront obligés de sortir. Je vais au moulin. Tu sais, ça va te cacher. Bon, je pense que t'as du sang indien. De la part du maître. C'est les boucles de Tibekia. La coucoune du noir laisse un meilleur souvenir que celle d'une blanche. Rosalie, pas dérespectée. Le maître veut la paix, c'est tout. Gardez ça, mon Joseph. Ce qu'il veut, c'est la coquer. Sortir le tabla. Sortir le tabla. Oh, oh. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'en veux pas? Je ne veux pas être ça, putain. Si tu n'en veux pas. Moi, je les prends. Rosalie, ou trop jalouse. Tu vas te calmer un peu dans ma cuisine. Quant à pour Wish, moi. Écoutez bien, ça manquait d'eau, là. Le maître ne te donnera jamais d'argent. Alors, quand il te donne quelque chose qui vaut cher, tu le prends. Tu m'entends? Au caprègne, c'est Tao.
grâce à ta rouge et ta force, tu as passé nos épreuves avec succès et bravoure. Oui. Tu es digne et invincible. Tu étais roi dans notre terre de Guinée. Ici, tu seras notre gouverneur. Oui. J'ai trempé la toile 3 fois dans la rivière. La première fois, elle est ressortie verte, comme les Caraïbes. Ouais ! La deuxième fois, elle était blanche, comme les maîtres. Mais la troisième fois, elle était noire, parce que nous serons les maîtres de ce pays-là. Bonjour frère. Non. Moi c'est Adèle, Moonbitation Bonaventure. Sors-les. On dit dans la forêt que le major Koyaba est avec vous. Attends. Tu vois la tombe de ma mère. Tu diras au major que je l'attendrai là tous les jours avant l'heure des zombies. D'accord frère? Tu tiens ton ventre. Fais voir. T'es enceinte. Je commençais à me demander si j'étais capable d'engrosser une femme. Mais toi, t'es pas comme les autres, je l'ai toujours su. Bah quoi, qu'est-ce que t'as? T'es pas contente de pondre un petit mulâtre? Tu le regretteras pas, va. Si c'était un garçon, j'en ferais mon commandeur. Regarde ce sucre. Les commissionnaires vont vouloir acheter un trésor. Quand je pense que nous, les planteurs, nous n'avons pas le droit de raffiner notre propre sucre ici en Martinique. Alors qu'en France, ces salauds, ils s'en foutent plein les poches. Pour une fois, vous n'avez pas de problème pour vous faire payer comptant. L'argent est rare, maître. Il serait temps de passer au moulin à bœuf. T'as fini ta rainée? Ta rainée? Elle est enceinte. Je vais être papa. Elle vous l'a dit elle-même? Je sais reconnaître une négresse en cloque quand j'en vois une. Et t'inquiète pas, va, si c'est un garçon, je lui ferai une position sur l'habitation. Je franchirai toute la famille s'il le faut. Tu seras bientôt libre, mon vieux. Oh.
Venez prendre de l'eau. Allez, allez. Venez boire. Allez, vite. Adèle. Adèle. C'est vrai ce que le maître a dit, que tu espères un... Oui, je crois. Tu vois souvent le maître? Assez. Il m'appelle. Il est content d'avoir un enfant. Tant mieux. Pas toi? Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une chance. Il dit qu'il va nous affranchir. Alors, je suis contente moi aussi. Adèle! Ta mère rêvait d'être libre. Je sais, papa. C'est notre rêve à tous. C'est bien. Je ne crois pas. Le maître est un mal papaye, il ne donne pas d'enfants. Tu es scélérate, Rosalie. Tu veux jeter le mauvais sort? Koyaba est loin depuis longtemps et le bouddha d'Adèle n'est pas gros. Ça, c'est l'enfant du maître. Choua, 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 choua. Qu'est-ce que vous avez à babiller comme des vieilles femmes? Félicitations, Doudouchet. Félicitations, Doudouchet. Laissez-moi tranquille. Je vais te préparer un bon bain d'herbe pour que ton garçon soit bien clair de peau. Je ne veux pas d'un enfant clair de peau, mon Joseph. Mon enfant, c'est celui de Koyaba. Qu'est-ce que tu racontes? Je le vois souvent depuis qu'il est marron. Et tu vois aussi le maître? Alors, tu ne sais pas. Laisse-moi voir. Ton bouddha n'est pas bien gros, Adèle. Ça, c'est un petit bébé comme celui d'une blanche. Qu'est-ce que vous faites? Les invités attendent. Ça y est, nous sommes prêts. À la lune montante, nous allons foncer sur les Blancs pour les massacrer. Ton sang est fort. À la lune montante, mon ventre sera déjà plein de toi. Tu n'es pas content? Je suis content, Lozolo. Mais tu comprends, je suis un guerrier. Je dois me battre pour la liberté. C'est pour ça que je dois m'arrêter moi aussi, pour que notre enfant soit libre. Mais qu'est-ce que tu sais de la liberté, Lozolo? Dis-moi, toi, dis-moi ce que c'est. Koyaba. Écoute. Koyaba. Il y a une chasse dans la forêt. Il faut vite que je regagne les morts, Lusolo. Tu vois, comme je vis comme une bête, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux pour ton enfant, Lusolo? Non, bien sûr. Adieu. Quand notre guerre contre les Blancs sera finie, là, nous ferons tous les enfants que tu voudras, Lusso. Tu auras tout ce que tu voudras. Alors va-t'en. Va-t'en, retourne dans tes mornes. Je veux pas être ta femme quand je serai vieille. Je veux plus te voir. Lusso. Plus te voir. Lusso. De honte, maman. Cette fille est enceinte de mon mari sous mon propre toit. Pense que le roi est à la prison du temple. En comparaison, tes petits problèmes domestiques n'ont pas beaucoup d'importance. N'est-ce pas? Allez. Je vous préviens, mon gendre, je ne veux rien savoir de vous. Pas avant d'avoir reçu des excuses pour la façon inqualifiable dont vous avez traité mon fils. Et j'aurais aimé lui parler avant son départ, mais il est parti si vite. Grâce à Dieu, il est bien arrivé. Mais bon, les nouvelles de France sont si mauvaises. On ne sait plus à quel saint se vouer. Même ici, à Saint-Pierre, le gouverneur se pique d'être au service de la nation et non plus au service du roi. Monsieur. Non.
ton nègre reste, là. Amédée ne me quitte jamais. Il est très utile dans toutes mes affaires. Et oui, comment vont vos affaires? Mal. Le gouverneur a saisi toute ma cargaison de sucre. Je suis accusé de raffiner. Mais c'est un prétexte, évidemment. Il n'y a pas de raffinerie en Martinique. Hein. C'est ennuyeux, toutes ces petites querelles interminables, là, toutes ces vengeances entre colons. Comment vous allez faire, alors? Justement, je compte sur vous. Le gouverneur me déteste autant que je le méprise. Mais je crains que je ne puisse pas faire grand-chose, parce que moi, je reste fidèle au roi, et il me voit donc comme un ennemi. Ça fait déjà maintenant 2 mois qu'il m'ignore complètement. Hein. Je sais que vous ferez votre possible pour que je récupère mon sucre. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour votre fille. Que ferait-elle d'un mari ruiné? La station se réjouit de vous voir, maîtresse. Je veux plus la voir ici. Elle énerve ma femme. Faut qu'elle arrête. Pour que l'enfant soit fort, la mère ne doit pas travailler. Qu'elle reste tranquille dans sa case. Théophile. J'exige que cette fille travaille jusqu'à la dernière minute. Nous verrons bien si la Providence veut que son bâtard vive. Adèle, regarde ce que mon Joseph nous a donné. On va se régaler. Tiens. Faut manger, doudou. Faut que tu prennes des forces. Tiens. Mmh. Ah bon. J'ai peur, papa. Tu as peur de quoi, doudou, moi? Bon, Joseph est une bonne matrone. Tout va bien se passer. J'ai perdu. Cet enfant, c'est notre chance, Adèle. Grâce à lui, on va nous affranchir. Je lui apprendrai moi-même à lire et à écrire. Le maître l'enverra étudier en France. J'ai besoin que tu m'aides à être libre, Adèle. J'en peux plus d'attendre. Petit point d'eau, bas, moi. Chauffez. Allez, ma fille. Allez, Kevin. Oh, patience. Oh, oui. Assez. Tibekia veut savoir où on est travaille. Et dit Tibekia, tiens, elle est là pour parler. Pas avant la nuit? Moi, d'où? Pourquoi actuellement? Kevin. Allez, doucement. Allez, prends patience, tu ma fille, prends patience. Allez, poussez. Manon, forme-moi. Toi qui es près du Seigneur Tout-Puissant, dis-lui de nous donner un enfant presque blanc. Ma femme adorée, surtout pas trop foncée.
Joseph, de quelle couleur est-il? Attends, non. Oui, quelle couleur est-il? Inouï. Inouï, passez la nuit. Les hommes, ma fille. Ça, c'est Ishkoyaba qui l'a. Pas mes jouets. À mon père. C'est foutu. C'est pas avec cet enfant-là que tu auras un petit peu de liberté. Je n'allais pas rester au lit par une si belle journée, non? Ça y est? Il est né? Qui ça, mon chéri? Ah, le fils de ta négresse et de son africain. Oui, il est né. En pleine santé et noir comme l'enfer. Tu peux être content, tu as un nouvel esclave. Circule. L'Africain va venir voir son fils. Et nous, on va l'abattre. Débarrasse-toi d'eux. Qui ça, monsieur? L'enfant et sa putain de mère. Vends-les, tu les fais ce que tu veux, je veux plus les voir. Tu t'es bien foutu de ma gueule, toi. Tu savais qu'elle couchait avec l'Africain et tu m'as rien dit. Non, je savais pas, maître. Elle m'a trompé, moi aussi. Tu sais quoi? C'est toi qui vas me quitter ce gosse, immédiatement. Sinon, j'étrangle ta fille de mes propres mains. Les champs de canne, monsieur. Elle servirait encore là-bas. Non, c'est pas assez. Je veux qu'elle crève, cette salope. J'y vais, maître. Personne ne veut de ce petit mec. Il peut rejoindre l'Afrique.